Pouf YouTube, comment allez-vous? C'est Rasupé, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est sur GTA 5 PC, j'y joue à la manette d'Xbox One et aujourd'hui présentation d'un nouveau trainer mode que vous m'avez conseillé sur Twitter, donc je vous en remercie. Il s'appelle Simple Trainer for GTA 5, c'est la version 2.8 fait par Jack327. Comme d'habitude, tous les liens seront dans la description. Qu'est-ce qu'un trainer mode? Je l'avais déjà expliqué la dernière fois. C'est tout simplement un énorme menu de cheat et de modifications qui permet de faire absolument ce qu'on veut. Donc je suis venu ici grâce à l'état téléportation. Oh! Ouais, je préfère. Je suis venu ici grâce à la téléportation en un clic et je vais vous le présenter rapidement. Et vous allez voir que celui-ci est quand même plutôt cool. Le dernier trainer mode que j'avais, je vous l'avais présenté également. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description. Là, on est parti pour le simple trainer for GTA 5. Il fonctionne avec la touche F3. Oh, petit spoil de la future vidéo, mais je vous montre de loin. Donc il fonctionne avec la touche F3 et après il fonctionne avec le clavier numérique. Alors à noter que je joue à la manette, mais on peut toujours utiliser le clavier si on joue à la manette. Ça fonctionne de la façon suivante, c'est vraiment pas compliqué. Avec 8 on monte, avec 2 on descend, avec 5 on valide et voilà, et on se balade. Alors il est entièrement en anglais, mais en gros par exemple si je veux je sais pas moi, par exemple regardez. Si je veux me filer de l'argent, add money, je vais sur la ligne et j'appuie sur 5. Voilà, alors ça m'ajoute de l'argent directement. Voili, voilou. A noter que trainer mode peut vous faire planter votre jeu. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je peux aussi faire, par exemple, modèle spawning. Par exemple, si je veux, je peux faire... Alors attendez, on peut faire ça par exemple. Modifier la barbe en direct. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Alors c'est juste hyper puissant comme logiciel. Que du solo bien évidemment, mais c'est quand même plutôt ouf un petit peu tout ce qu'on peut faire. Par exemple, si je veux, je peux être en tenue de pompier sans me faire chier à devoir... aller chercher les trucs. Je peux être pieds nus. Et je sais pas, je peux modifier plein de choses. Je peux mettre un casque. Voilà, donc on a casque de moto. Donc là, pour l'instant, c'est que des casques de moto. J'appuie sur 5 pour valider tout simplement. Je peux enlever le masque. Je peux le remettre. Enfin voilà, on peut faire des trucs plutôt stylés. On peut bien évidemment faire spawn des bagnoles. Alors, c'est ce que j'avais déjà fait juste avant. Donc, par exemple, si on veut, on peut faire spawn une Dewuchi Rapide GT2. Voilà. Voiture qui est plutôt stylée. Et pareil, si on le souhaite, on peut aussi faire ça. Afficher un compteur en bas à droite de l'écran que vous voyez. Un compteur kilométrique, en fait. Voilà. Si on veut, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. On peut, d'ailleurs tiens ça m'a supprimé le petit spoil que vous verrez très bientôt. Pour ceux qui demandent, c'était une BMW mais je vous donne pas le modèle, ce sera une surprise. Si on veut, on peut aussi bien évidemment modifier le temps. Donc pareil, en direct. Alors à noter qu'il faut un PC quand même correct pour faire tourner ça, parce que ça consomme un peu plus de ressources que d'habitude. Mais en soi c'est quand même plutôt cool. Donc si je veux, je peux mettre une grosse tempête de bâtard en direct, voilà, à ne faire que sur le solo, hein. Mais c'est vraiment super sympa comme type de logiciel, ça s'installe super simplement. Si je veux, comme vous pouvez le voir, il me manque des armes, et ben si je veux, je peux me filer toutes les armes, voilà, où là j'ai toutes les armes du jeu, ce qui est en soi plutôt stylé je trouve, donc voilà un petit peu. Donc par exemple, voilà, donc là j'ai vraiment mis la grosse tempête de ouf. Si on veut, bah, on peut faire un petit feu d'artifice par exemple. Voilà. Voilà ce qui est envisageable grâce à ce trainer mode. Mais c'est pas tout. Et non, alors on va mettre genre un temps propre. Voilà. Weapon, c'est donc les armes. On peut faire donc plein de choses. Il y a un menu parachute et tout ça. Enfin, il faudrait juste trop de temps pour tout vous présenter.
Et comme vous voyez, si je veux, je peux activer une night vision. Je peux mettre le mode pas de rechargement. Alors là, regardez bien. Attends, pas de rechargement, ça marche là-dessus. Voilà. Donc, autant vous dire que... Oh oui! Oh, je savais pas ça. Vous voyez? Elle est où? Je découvre. Oh, trop stylé. On va l'aider un petit peu. Attendez, elle est où? Oh, c'est bien stylé ça. D'accord, je savais pas qu'on pouvait détacher la boule, vous voyez. Par exemple, si on veut, on peut se téléporter. Donc, à Los Santos, ici, on peut se téléporter dans une belle baraque à Ponson Rehabilitation Center, un truc de réhabilitation. Je peux aller à Vineyard, voilà, hop, ou Vineyard, bref, l'accent, on reviendra pas dessus. Mais enfin, voilà, on peut vraiment faire des trucs de ouf. Je peux aller dans le camp de hippie. Voilà, on peut aller dans le truc d'Alien, où donc il y a des soucoupes d'Alien qui sont mis là, un petit peu le truc de hippie et tout ça. Truc qui est plutôt stylé, d'ailleurs, on y passe dans le solo, c'est plutôt cool. Il y a des trucs au niveau des saves aussi, mais on va pas tout toucher. On peut bien évidemment modifier le temps, ajouter des slow motion ou pas. Donc par exemple, si on veut, on ajoute un slow motion de 75. Voilà, vous voyez, ça part tout doucement. Si je veux, j'ajoute un slow motion de 25. Et là, c'est quand même plutôt ouf. Le petit rechargement. Hop, on voit bien le petit verrouillement. Regardez, il le remet sur le dos. Enfin, c'est quand même plutôt ouf ce qu'on peut faire en soi. Regardez, je savais pas que c'était possible. Regardez bien. Hop là, et on voit la roquette partir au ralenti. Ça, c'est bien, bien, bien stylé. Donc, bien évidemment, on peut remettre en mode normal. Hein. Voilà, c'est du direct, c'est cool. On peut mettre la lune, le soir, la nuit. Voilà, tout simplement, on peut bien choisir. On peut choisir l'heure qu'on veut. On peut donc se téléporter, ça, je vous l'avais montré. On peut faire spawn des objets si on veut. Alors, je sais pas trop ce qu'on peut vraiment faire spawn, mais on peut faire spawn des objets. Alors, on les fait spawn, mais je sais pas trop où ça apparaît. Enfin bref, bref, là je fais spawn des objets. Modèle spawning, alors, tout simplement... Ah oui, attendez, on va juste faire quelque chose. Voilà, Never Wanted. Alors, on peut faire ça aussi, comme ça on est jamais recherché. La police nous fout la paix. C'est parfait, j'ai envie de vous dire. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire demain? Alors là, c'est juste une présentation hein, en soi. Je vous montre rien de marrant, mais c'est pour vous montrer un petit peu la puissance du truc. On peut faire ça aussi. Alors, normalement, c'est censé me faire... Attendez. Bodyguard, God Mode, Set Health. Donc, je peux me foutre de la vie, des bips. On peut se modifier aussi. J'avais déjà réussi à faire ça. Où, en fait, je m'étais mis en meuf. Parce que, donc, d'habitude, dans GTA V, on est soit Trevor, soit Franklin, soit Michael. Mais, en fait, grâce à ça, j'avais réussi à être quelqu'un d'autre. Mais ça doit pas être comme ça. Bon, bref, sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Véhicule option, donc ça, c'est les fameuses bagnoles. A noter que dans véhicule option, il y a un truc qui est plutôt cool. Ça se passe plutôt dans véhicule spawning. Si on veut, on peut faire spawn véhicule by name. Et par exemple, si je mets I8, hop là, vous voyez, ça me fait spawn directement dans la voiture que je vous présenterai très bientôt. Donc ça, c'est pareil, c'est quand même... plutôt oufissime. Et on peut également faire quelque chose de sympathique avec le véhicule option. Si on va sur la ligne véhicule door et windows, on peut faire ceci. Hop là, on peut ouvrir les portes. Je peux faire ça, je peux ouvrir le coffre aussi. Je peux fermer les portières, je peux tout fermer également.
Enfin voilà, on peut vraiment faire des trucs de oufissime. Donc ça, c'est quand même vachement stylé, je trouve. On peut mettre des noms et tout ça, mais vu que c'est une voiture modée, comme vous l'aurez remarqué, elle n'est pas dans le jeu de base. Je vais éviter de trop faire n'importe quoi avec. Il y a la gravité qui peut être activée ou pas, donc on va la désactiver. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, regardez bien. Regardez. Ouh. Donc là, j'ai désactivé la gravité. C'est-à-dire que si jamais il y a un accident qui se passe, donc on va aller faire un accident pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc si je vais faire un accident... Hop là, pour ceux qui veulent plus d'infos sur cette voiture, je vous ferai une vidéo spéciale dessus. Donc on va aller se faire un accident, donc je suis à 72-74 km/h. Et là, regardez bien. Hop là. Bon, c'était pas hyper impressionnant, mais bon, ça reste cool quand même. En fait, il y a juste aucune gravité. Donc dans la logique, si je fais ça et ça... Ouais, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc voilà, petit nouveau trainer mode, les gens. Après, le mieux, c'est que vous le testiez vous aussi, mais je pense qu'il y a moyen de bien se marrer là-dessus. Je vais pas trop toucher à tout, parce que la dernière fois que j'ai touché à tout, j'ai fait bugger le jeu. Donc, mais voilà ce que vous pouvez faire pour ceux qui ne le savaient pas. Hop là, spawn en Franklin, spawn en Franklin, spawn en Michael, et ce, n'importe quand. Ah bah voilà, enfin ça marche, parce que juste avant il voulait pas, voilà. Donc on peut être juste n'importe quoi. Par exemple, si je veux être une demoiselle en petite tenue, voilà, pour faire ce que j'ai envie de faire, et bah c'est... Oh, il a eu du bol. Alors, attendez, les pompiers sont là. Ok, ça calme. Donc voilà, si on veut être une meuf, foutre le bordel, on peut. Si on veut être une... je sais pas, on peut être... Mais on peut être vraiment n'importe quoi. Et c'est vraiment un truc à tester pour ceux qui aiment bien GTA V. Parce que c'est juste... Regardez qui je suis, là. Je suis un mec à poil. Avec un lance-roquette et un petit ceinturon. Alors là, ça me dit rien du tout. Qui est ce type? Ah, c'est peut-être les mecs qui sont dans la... Ok, on voit ça... C'est, à mon avis, c'est les gars qui sont... qui veulent qu'on leur ramène des autostoppeurs, je pense. Je sais plus comment ça s'appelle, la secte là-haut, qui est dans la forêt et tout. Donc, voilà. Les gens, c'était GTA V. On va se laisser là-dessus. Petit trainer mode. Petit trainer mode bien sympathique, bien évidemment. À noter que on peut faire des trucs plutôt cool et qu'on peut faire ça si on veut. Voilà. Le mode neige... Et dispo dessus. Donc là, je suis un mec à poil qui court et voilà. Et il neige, la base. Donc mes petits pompiers sont là. Hop là, tout le monde court pour remonter dans le camion. On prend le camion, les gens, et on s'en va. Allez, salut! Voilà. Bon, vous voyez, plutôt sympathique quand même. C'est vraiment un truc pour délirer ou pour aider si jamais. Vous êtes bloqué quelque part ou autre. Mais à noter, ne jamais sauvegarder, ne jamais aller sur le online. Voilà. Les gens, on cesse là-dessus. Dans la description, vous aurez tous les liens que vous avez vus. Enfin, vous aurez le lien de ce trainer mode que je viens de vous présenter. J'espère que ça vous a plu. Bisous. Tchou!